Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ici à Strasbourg pour le championnat de France triplette édition 2018. D'ici quelques minutes maintenant, le quart de finale que nous allons avoir le plaisir de vous proposer sur la chaîne L'Équipe. Mon cher Jean-Luc Robert, bonjour tout d'abord. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Alors, on a coutume de parler de finale avant la lettre. Parfois, l'expression est quelque peu galvaudée. Là, le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est une vraie finale avant la lettre. Les tenants du titre face à une petite équipe qui nous vient de Nouvelle-Aquitaine, c'est ça? Oui, de Nouvelle-Aquitaine, de Charente-Maritime et d'autres. Finale que tout le monde souhaitait, alors évidemment, sauf les autres équipes, hein, parce qu'ils se disaient des fois s'ils se rencontrent, ça nous évitera de les battre et les uns et les autres pour enfiler le maillot bleu-blanc-rouge. Mais là, c'est vrai qu'on va assister à une partie qui sent la poudre. On va donc retrouver les maillots bleu, blanc, rouge, vous les avez vus, Stéphane Robineau, Henri Lacroix, Dylan Rocher, face donc à cette équipe de Nouvelle-Aquitaine, emmenée par Philippe Quintet, associé à Damien Hurault et Julien Yamour. Il y a beaucoup, beaucoup de titres sur ce carré d'honneur. On retrouve tout de suite les joueurs pour ce quart de finale. C'est vous qui mesurez, s'il y a un souci, vous m'appelez. D'accord. Puis on est bien d'accord. Le timer, c'est ouais, important le timer. Et les trous. Ouais. Ouais, on vous préviendra bien avant. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ok. Une bonne partie. Demain. Les petites consignes des deux arbitres de cette rencontre, Jean-Jacques Berti et Jean Locatelli. Comme vous le disiez très justement, Jean-Luc, ça devrait être bon d'un point de vue du règlement pour ces garçons rompus. Justement à ce genre de grand rendez-vous. Allez, c'est parti en tout cas pour ce quart de finale avec Julien Lamour donc ici à l'image. Superbe quart de finale donc proposé sur la chaîne L'Équipe, on l'a dit en préambule, digne d'une finale avant l'heure. Ah, mais déjà, première constatation, c'est Julien Lamour qui fait le pointeur parce que j'ai eu l'occasion de les voir évoluer souvent. Et c'est Philippe Quintet qui est souvent pointé dans cette formation. Bravo, super. Chose qui ne me paraissait pas spécialement logique, mais quand on connaît la force au milieu qu'il a. Alors Dylan, en pleine forme à l'heure actuelle. Voilà, le carreau à 8,60 m. Ouais, ça y est, il est revenu à Didi La Foudre et de retour. Ouais. Ah oui, il avait été au repos à l'occasion de l'étape des Masters de Limoux. Et puis vous l'avez retrouvé dans de bonnes dispositions à Nevers, c'est oui. Le moins que l'on puisse dire. Ah, oui, à Nevers, ça fait bien longtemps que je ne l'avais pas vu tirer aussi bien. L'équipe de France qui s'est imposée donc sur ces deux dernières étapes des Masters et qui se qualifie en deuxième position. Et là, déjà, tirer la première comme ça dans un quart de finale choc, c'est pas le plus facile, mais... Allez, mon petit Damien. Ouais, mon Damien. C'est de bien tirer celle-là. Allez, il va devoir y revenir. Damien Hurault, lui aussi, hein, d'ailleurs, qualifié pour le Final Four d'Istres au sein de l'équipe Sario. C'est mieux, mais il va falloir qu'il rejoue. Mais qui? Non, je pense que Stéphane Robineau la donne. Peut-être là. T'as ton 3 mètres, là? Non, je vais te donner. Allez, personne n'est sûr à 100%. Ah, c'est bon. J'allais dire, on va faire appel aux arbitres, mais non, ça a été la consigne justement donnée par les arbitres. C'est vous qui mesurez. Ton doigt, ouais. Là, regarde. Vas-y, on va voir comme ça. Parce qu'il est passé là. Attends. Il est là-bas. Il est chez nous. Alors ça, c'est pas une bonne nouvelle parce qu'ils vont jouer la quatrième sur le premier carreau de Dylan.
la jure. Allez, encore. Allez, mon jus. Il serait bien inspiré d'en bouchonner, Julien Lamour. Ouais, pour s'éviter donc. Parce qu'il pourrait bien avoir le feu dès, la première main. Hein. Éviter que les Varois, effectivement, de mettre le feu à ce quart de finale. Ouais. Ouais, c'est peut-être pas plus mal. Oui, il pourra compter ce point sans trop qu'on s'en occupe. Non, c'est ça, c'est que du coup maintenant Stéphane Robineau va pointer. Alors après évidemment que la pression sera sur les épaules de Philippe Quintet, mais si Philippe Quintet en tire deux de bien, ça ne coûtera pas très très cher. Ouais, ça. Parce que là, s'il était venu près de Julien Lamour et que Dylan fasse encore un carreau ou un palais, ils auraient certainement tiré au bouchon la première main. Et en le manquant, c'était 5 ou 6. Donc là maintenant, si Philippe Quintet tire bien, il peut limiter un peu la casse. Oh, bien. Bien. En plus, il y a le bouchon des fois qui est dans le coup, si des fois il était juste pas droit. Je pense que j'ai plus rien déjà. Comme ça au moins. Ouais, je suis tiré quand même. Hein. Ah ben c'est le jeu, ouais. Là maintenant. Ah, il va falloir effectivement. C'est ça. Le seul moyen de limiter un peu la casse, c'est de bien tirer les deux siennes. Ou alors d'avoir, en tirant bien la boule, sortir le bouchon. Ou en tirant un peu moins bien, avoir de la réussite. Hein. Oh. Aïe, la casquette pour Philippe Quintet. Ah, c'était bien tiré. Pas besoin de ça, putain. Un doigt de moins, il pouvait récupérer un peu la main. Là maintenant, ça risque de coûter cher. Ouais, Philippe, va essayer de rentrer dans le bouchon. Ouais, le regard noir. Ouais, Philippe. Allez, rentre dedans. Là. Du quintuple champion de France en triplette. C'est beau aussi, moi, un peu bâtard au moins. Okay. Merci. C'est bien joué. Ouais, c'est pas mal, effectivement. Pour un droitier, elle aurait été un peu plus compliqué à tirer parce que. Allez, Didi. Celle de devant aurait pu gêner un peu, mais Dylan, lui, il est gaucher donc. Une raison que ça le gêne, en plus il se met bien à gauche du cercle, évidemment. Et c'est manqué, il est un petit peu court. Mmh. C'était quand même une boule de 5 au palais, 5 au carreau quand même. C'est ça, bien sûr. Bon, il y a toujours moyen d'en faire 4. Oui, de bien, entamer. Mmh. Allez. Il a croix, une grande forme aussi. À l'heure actuelle, il gaspille très très peu de boules. Et là, je serai à la place des bœufs, je me ferai du souci. Voilà, ouais, c'est bien frappé. Super. Bravo. Lui qui est déjà allé conquérir le maillot bleu-blanc-rouge en cette année 2018, le tête-à-tête. Semaine prochaine. Samedi en demi-tête à Fréjus quand même, mais ouais. Il n'était pas spécialement en forme. Enfin, c'est lui qui le disait, mais même quand il n'est pas en forme, il gagne. Alors, c'est compliqué. On en est à 17, c'est ça, avec le jeu provençal. 17. Le recordman des titres. Waouh. 17 titres. Et c'est quelque chose me dit que c'est pas fini. Là, il a atteint un niveau de jeu exceptionnel. Allez, c'est parfaitement réalisé de la part de Stéphane Robineau. Il a quand même pris un petit peu de risque parce qu'il est passé tout près du bouchon. Alors qu'il y a de la place un peu plus à droite parce que en prenant le bouchon, il peut casser le carreau d'Henri Lacroix. Il fait minimum 3, je pense. Là-dedans, c'était moins bizarre. Il a tapé, c'est pas trop mal après pour un droitier. À moins que le carreau, à moins que le palais d'Henri Lacroix, il soit pas alors, je sais pas. Allez, 3, on l'a entendu, effectivement. De là, je pensais qu'il y était.
belle entrée en matière, hein, évidemment, à mettre au crédit d'Henri Lacroix, des tenants du titre, hein, Stéphane Robineau et Dylan Rocher, qui ouvrent le compteur de ce quart de finale et qui mènent donc 3 à 0. Merde, ça va moins bien. Je suis pas sûr qu'il y ait un maître de la ligne. Et pas évident, effectivement. On rappelle, hein, un maître de la ligne de perte. 98. C'est le minimum. Allez. Il y a des 95 qui sont tombés. Elle est bon, 1m05. Et ben voilà, 5 cm près, c'est tout bon. Il a fait une grande part, alors Stéphane Robineau. Ah oui. C'est Stéphane Robineau, hein, qui est allé conquérir ce titre de champion de France l'an dernier avec ses partenaires sur l'hippodrome de Pont-d'Orson, non loin du Mont-Saint-Michel. Le premier en triplette, ouais, c'est ça. Ainsi que son compère Dylan Rocher, parce qu'ils avaient gagné en doublette à 2011, tous les deux. Ah, il me semble que c'était en Bretagne. Alors. Enfin, je suis sûr que c'était en Bretagne, mais. En clair, l'air breton, allez, normand leur convient plutôt bien. Donc. Oui. Après, je ne sais plus si c'était à Rennes, mais. Ou ailleurs, mais c'était, ouais, en Bretagne. Ouais, j'essaie de le gagner. Allez, je... Allez, va falloir réagir, hein, tout de suite là. Pour les joueurs de la Nouvelle-Aquitaine. Sociétaire du club de Laurent-Sainte-Marie. Bravo, j'ai ah, oui. Bravo. Ah, voilà, justement. Jouer. Quelle capacité de réaction de la part de Julien Lamour. Lui aussi a déjà titré champion du monde en 2005. Et France de triplette en 2003. Alors, sans le but, mais ça suffira pas. C'est pas passé. Ah oui. Bien joué. Bien joué. Allez, mon Damien. Ouais, mon petit père. Allez, va, fais un effort. Allez, mon grand. Allez, Damien, essaie de la pousser. Oh, il est encore pas mauvais. Hein. Allez, fais un effort. C'est encore bon, encore. Allez, essaye de la pousser maintenant. La courbe extrêmement haute, hein, de cette boule de Damien Hureau. Allez. Et c'est manqué assez franchement, en tout cas. Ouais, pour, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude. Pour des garçons de ce niveau, bien sûr. Voilà, c'est ça. Mais là, maintenant, attention, parce qu'elles sont plus ou moins en contre, les boules. Ce ne serait pas le moment d'avoir un mauvais contre. C'est bien, pas bien. Passé loin. Pas passé loin, oui, comme vous dites. Rien cassé. Oh, ouais, on peut s'en sortir. Pas trop mal, là, Damien Hureau. Ouais, ouais, je pense que le mec, il rend pas beau. Enfin, là-dedans, on sait pas, mais. On sait pas, jamais. Bon, l'autre, elle est pas belle à tirer non plus. Non, non, mais bon. Allez, on verra bien. Arrêtons. Allez. Ouais.
plein dedans. Hmm? T'es en plein dedans. Ouais, elle est partie. Moi, je tirerai la tienne, Dylan, quand même. Tu crois pas? Ça casse un point, on sait pas. C'est pas facile, il faut le gagner encore deux fois. Je sais que c'est pas facile, mais... Mais comment t'as joué la première? Non. Moi, j'aurais tiré avant, sinon. Mais... Ouais, mais tu casses un point quand même. Oui, c'est sûr qu'on aurait pu tirer avant, mais bon, là, on était boule à boule. Tu vas aller beau, déjà, en plus. Bon, les nôtres, ils vont... Bon, c'est pas là-dedans. Tu casses un point, déjà. Moi, j'aurais pointé. Bah, comme moi aussi, après, je pourrais toujours tirer la laine pour casser un point. Ça dépend. Si tu, jamais, tu prends un mauvais tir, hein, tu peux plus tirer. Ah, je casserai toujours un point. Tu peux tirer la même. Ah, bien. Allez, bah. Allez, ton. Allez, chou entériné. Oui. Henri Lacroix va rester sur sa lancée. Il est tombé dans la donnée, Henri Lacroix, mais j'ai l'impression qu'il manquait un poil de hauteur quand même. Ah, ça, à mon avis. Oui. Oh! Et bien, pourtant, celle-là, je la voyais mieux jouer. Et c'est là, le cadre numéro 7, Sébastien Lebrun. Elle a fait le maxi quand même. Tirer, hein. Celle-là, elle a fait le maxi. Okay. Un peu meilleur que les autres. Pour casser un point. Ah, allez, j'aurais tué la sienne. Ah, c'est pas une. La première, je suis un peu long quand même, même si je suis. Ah, celle-là, oui, mais elle a roulé au maximum, celle-là. Voilà, il a quoi, il a confirmé ce que je disais, était bon. La première. L'autre était pas beau, mais l'autre était il est bien. Un petit peu long à la main. Celle-ci, par contre, elle a fait le max. Ah oui, c'est sûr. Allez, trois boules en tout cas, dans les mains des joueurs de la Nouvelle-Aquitaine. Une pour Julien Lamour, deux dans les mains de Philippe Quintet. Pour revenir, tout simplement, à la marque. Mais bon, on aura une réussite, une efficacité maximale pour cela. Trois points, ce sera bien payé. Exactement. Parce que c'est quand même un terrain, on n'en a pas parlé, mais c'est un terrain qui est quand même assez compliqué à pointer. Il y a beaucoup, beaucoup de cailloux. 24 à 0 face au Rhône d'Alexandre Ballet, Daniel Rizzo et Guillaume Gessin. Cool. Celui-là, ouais. Il ne saura pas. Voilà, quand on vous le disait. C'est court. Pour 3 km. Quand vous parlez de la difficulté du terrain. Il y a peut-être moyen de jouer. Tâche dévolue à Philippe Quintet. À partir du moment de toute façon où on voit Henri Lacroix quelque peu en difficulté, ouais, c'est vrai que c'est on sait que le deuxième. Après, forcément, gêné, hein. C'est que tu joues avec Fifi, non? Bah, avec. Là, dès que tu fais faire un tour, déjà, tu casses les deux autres là-bas. Ouais. Bah, de toute façon, c'est la leur. Ouais, il ne va pas s'en gêner. Hein. On ne sait jamais. Hein. Deux fois, il peut la rentrer. Dès qu'il passe la tienne, il casse les deux autres et il ne manque pas grand-chose après. C'est bien joué. Ah là, putain, j'ai touché. Mais il n'a pas trop de réussite parce que s'il ne touche pas, j'ai touché, elle m'a sorti du jeu. Voilà. Ouais. Tire au point, oui. Tire au point, avec. Ouais, c'est vrai que se retrouver à tirer au point avec 3 boules en main contre 0, c'est pas terrible. Je tire à deux, je tire. Si je tire au point, je tire pas. Je vous regarde. Oh, c'est pas la peine, ouais. Il est là. C'est gros. Ah, je suis pas sûr. Bah, regarde alors. Regarde. Peut-être plus. Ouais, moi, c'est ce que j'allais dire. Peut-être plus la blanche, mais. Ouais. 92. Là, Philippe Quintet qui est en train de penser à. Ah, il est là déjà. Il est en train de se dire c'est pas possible qu'avec deux boules en main, on se retrouve dans situation, trois boules contre plus, on se retrouve dans des situations pareilles. Eh oui. Tire à deux. Ah non, je tire pas deux. Mais non. Ah bah sinon, j'aurais tiré. Voilà, je vais pas tirer quand même, j'étais boule carré, je les ai envoyés là. Ouais. Maintenant, elle est un peu plus près quand même. Ouais. Allez, Philippe. Ah là, il faut marquer. Ah, il faut marquer, bien sûr. Évidemment. Contre des équipes comme Henri Lacroix, Dylan Rocher, Stéphane Robineau, si on ne marque pas quand on a trois boules contre zéro avec la boule la plus près à 80 cm. Après, ça devient compliqué. Aïe. Il est allé s'enferrer, là, Philippe Quintet. Eh ben voilà, vous voyez, coup sur coup, Henri Lacroix, puis Philippe Quintet, deux des meilleurs joueurs du monde qui ont été mis en difficulté par ce terrain, par ce carré d'honneur. Et qui laisse, hein, effectivement, par la même occasion, un point encore au tenant du titre. Ça c'est pas bon du tout. Alors évidemment, ni pour le score, hein, mais surtout pour le moral. Allez, domaine de jouer. Déjà, nous entamons la troisième. Et ça fait 4
1-0 pour les Varois, les tenants du titre, qui avaient démarré de tambour battant, certes, mais leurs adversaires avaient la possibilité de répondre du tac au tac. Ça n'a pas été le cas. Ah mais c'est, non seulement ça n'a pas été le cas, mais c'est qu'ils n'ont même pas marqué. Ah oui, oui bien sûr. Ils ont laissé ce point supplémentaire. Ils auraient pu, évidemment, 3, c'était beaucoup hein, dans ce genre de terrain. On sait que c'est facile d'en laisser en route, mais... Super. Deux, c'était pas mal, mais un, c'était vraiment, là, c'était vraiment le minimum. Hein. Prends-moi du coca. Dis-le à la merde. Coca. Pas possible. Alors qu'on voit Dylan, on entend Dylan Rocher demander un petit coca à Papa Rocher, Bruno Rocher, le patron de la dynastie de la famille Rocher, bardé de titres, lui aussi. Ah oui, c'est ça, c'est qu'il a, il a gagné tout comme le fiston, mais voilà, un peu moins de, ouais, un peu moins de fois, quoi, voilà. Ça. Bien joué, Julien, hein, bravo. Bien joué, Julien. Bien, bien. Il n'y a pas grand-chose qui lui a échappé, hein, Bruno Rocher. Bruno Rocher, Guillaume et Jean-Luc, 6 fois champion de France dans 6 catégories différentes. Ah ouais. Ah, Didi. Junior, tête-à-tête, doublette, triplette, entreprise. Corpo. Oui, entreprise, c'est ce qu'on appelait corpo à l'époque. Bravo. Super. Bien, Dylan. Allez, on lui. Approche encore. La voix que vous avez entendue, c'est la voix de la Bible vivante de la pétanque. Le futur maire de Chusclan. Allez, on va essayer encore d'arriver. Le grand Laurent Cosse. Et qui sera nos yeux et nos oreilles en bord de cœur et d'honneur tout au long de cette journée. Super, hein. Bien joué, Julien. Bravo, Julien. Julien, super. Hein. Allez, encore. Allez, Julien, encore. Allez, on les sent progressivement rentrer dans leur quart de finale, là. Aïe. Sauté. Aïe. Ouf, oh, le bouchon qui ne sortira pas. Joker, qui s'excuse. Ouais. Désolé. Ça, c'est... ça, c'est le week-end. Hein, c'est son week-end. Normalement, s'il y a un lingot d'or, il devrait tomber dessus. On va leur faire sortir du pétrole. J'aurais bien aimé qu'il tape un. Ouais, moi aussi, j'aurais préféré. Ah oui. Les cadres de ta première, le mien était beau. Bah, je pense. Pour l'adversaire, ça sert à rien parce que. Ah, c'est mieux comme ça, c'est sûr. Il manque quand même Dylan Rocher, tout le monde le sait. Hein, il manque très, très peu de boules. Alors, si quand il en manque une, plus. Attends, ouais, mais si c'est pas où ça va. Il tombe sur le bouchon. Là, il n'y a pas de données de ce côté-là. C'est un peu énervant. On va hauteur de boule ici. Pour les adversaires. Okay, ouais, j'essaie d'envoyer la hauteur de boule là. Hein. Ouais. Allez, Philippe. En plus, là-bas, maintenant, il y a la ligne de perte. Oui, je pense que c'était pas forcément ce qu'il avait prévu. Hein. Ah, c'est un champ de mine, hein, ce terrain-là. Wow. Là, il vaut mieux faire le tir raid dans ce genre de terrain. C'est sûr. Là, les pointeurs, ils souffrent. Mais allez, ça fait ça. Même si on a vu, par exemple, jusqu'à présent, sur ce début de rencontre, Stéphane Rovino. À l'image qui a été solide hein, et qui lui a plutôt mis les boules où il le souhaitait initialement. Donc c'est jouable. Et c'est dire la qualité évidemment. Là, comme lui, non hein de Stéphane Robineau. Je t'ai envoyé là, mais putain, ça fait peut-être un peu loin. Ouais. Presque joué là. À côté de la boule, ça paraît plat. Après, joue où tu veux. Allez, 20 secondes. Ah, Roby. Allez, mon Steph. Bon, Roby, il a décidé, lui, de jouer côté gauche. C'est vrai que là où lui montrait Henri Lacroix, c'est peut-être plat, mais il n'y a pas une grosse marge de manœuvre parce que c'est juste à côté de la boule. Qui est devant. Avec un effet rentrant. Ah, wow, ça, ah ouais, ouais, ouais. Bien joué. Ah, bon, oui. Ça s'est joué à la perfection.
Alors, un carton jaune collectif, puisqu'ils ont dépassé la minute. Ah, il est tombé le carton ? Ouais. Monsieur Locatelli a sévi déjà. Tu as une fichée ? Ah, c'est plus, hein. Elle était très douce, la sonnerie. Il faut force à lever la main. Allez, Damien. Du timer. Allez, essaye de la pousser. Allez, Damien. Bizarre que j'ai trouvé qu'elle passait vite cette minute. Oui. Là, ils n'hésitaient pas ni à pointer ni à tirer. Donc, prendre un carton, là, c'est un peu bête. Hein. Un peu dommage. Allez, Damien, il faut qu'il arrive à. Allez, Dieu. Ça, c'est horrible. Là. Parce que là, quand c'est comme ça, il vaut mieux manquer. Il arrange la sauce. Hein. Ouais. Voilà, maintenant il est ingagnable. Tu sens que tu prends un carton là. Non, moi je retirerai quand même. Hein. En tirant, si tu as le bonheur de la pousser, peut-être que tu peux faire jouer que là il est ingagnable. Et... On va jouer deux dernières. Ah, oui. Allez, on dit Damien, essaie de la pousser, peut-être que ça va les obliger à tirer, on sait jamais. Allez, va faire un effort. Allez, Damien. Allez. Allez, faut la pousser effectivement cette boule, obliger les joueurs du VAR là, aller chercher à nouveau ce point. Et surtout que c'est pas à côté là. Hein. Ah oui. Oh, c'est manqué, assez franchement encore une fois. Ouais. Pas tirer, pas monter, pas. Massacre. Ouais, là c'est dur, c'est un casse-tête. Hein. Il s'en excuse auprès de ses partenaires. Oh, mais ses partenaires, pas la peine de s'excuser quand c'est comme ça. Si, mais le problème, c'est que si je tape mal et que je sors. Ça arrive à tout le monde, mais. En fait, si je sors, comme c'est grave, il va tirer à 3. Là, au pire, si je rentre simplement, c'est sûr que je peux pas le gagner, mais. Quand même, ça l'oblige. Ouais, comme tu veux. Ouais, Fifi. Par contre, si j'en vois là, regarde les machins qu'il y a là. Ouais, il y a des têtes. Tape mal, je sors du cadre, il tire à 3. Allez, approche encore. Ouais, c'est vrai que c'est pas une bonne idée, hein, parce que même si elle est tout au fond du cadre là-bas au bord de la ligne. Faut que je vous aide plus sinon. Dina Drocher est capable de taper quand même. On va préférer pas y toucher. Hein. Là, il faut en fait jouer juste pour passer les deux de devant. Sans même essayer de penser. Voilà, c'est fait. Qu'est-ce que tu veux faire? Il avait plus de boule, donc il risquait pas de tirer, c'est Henri Lacroix. Il faut jouer pour pas sortir et pour passer au bon des boules. Ah, cette main, la main d'avant, je pense que. Elle a fait mal. Après, là-bas, un petit peu. On verra la sur deux. Elle a fait mal. Ouais. On va tomber sur deux, c'est le top. Elle a fait mal dans le moral. On va bien, on va le voir aller. Allez, ça y est, Henri. Et Henri Lacroix a la possibilité d'appuyer encore un petit peu plus sur les têtes adverses. Et il risque bien de ne pas s'en priver. Et là, comme l'a très bien dit Damien Hérault, il va falloir que je vous aide un peu plus parce que sinon ça va être compliqué. Donc celle-là, elle est passée de celle de Philippe Quintet, mais elle n'a pas dû rentrer de celle. Elle n'a pas bougé. Elle n'a pas bougé. Mais en plus, je pile de sa première de Philippe. Celle qui est proche de la ligne de perte. Ah ouais. Donc il y en a, il y en a un. Il n'y en a toujours qu'un. Non ? Extrêmement haut. Allez ! Voilà, on s'en rend mieux compte effectivement grâce à cette réalité augmentée. Oh, et là, incroyable. Il va se perdre à son tour. Ça est parti complètement de travers aussi. Voilà, vous voyez les deux boules d'Henri Lacroix qui ne vont pas compter. Merci. Ça ne fera qu'un point supplémentaire. Un champ de mine. Mais bon, il continue d'un champ de mine. Mais pour l'instant, ceux qui arrivent à naviguer justement au milieu de ces mines, au mieux, eh bien, ce sont les tenants du titre, les Varois d'Henri Lacroix. Sur le score de 5 à 0 à l'issue de cette troisième main. Pas si court que ça la première. T'as vu là comme on a fait 5-0 désormais face à la Nouvelle-Aquitaine. Philippe Quintet. Il va falloir aider ses partenaires. Ce sont ces mots à Damien Hérault. Il va falloir que je vous aide, sinon ça risque d'aller un petit peu vite. La boule à 10 mètres, elle a fait 50.
Après il y a la possibilité, oui, oui, de, la possibilité de tourner aussi. Hein. Il n'est pas obligé de rester tireur. Il tire pas bien. Évidemment. Évidemment. Ça peut des fois changer quelque chose. J'ai hésité un moment. Tu tires la première, elle est belle à tirer. Ouais, la première. Hein. Ouais, il faut y aller. Allez, il faut y aller. Parce que dans ces terrains-là, ça, c'est des points qui sont très, très bons. Allez, fais un effort. Même si elle est derrière. Et c'est maintenant, c'est maintenant qu'il doit faire l'effort. Aïe, c'est pas droit. Pas la courbe. J'ai pas la courbe. Oh. Ah. Et faire se complique encore un petit peu plus. Non, c'est la mine. Non ? Allez, si tu veux. Allez, on essaye de trouver des solutions. Ah, là. Faire des trucs, hein. C'est l'amour. C'est l'amour. Un trou de boucher. Il y a eu déjà un trou de boucher. Ah, j'ai pas fait gaffe. Ouais, j'ai bouché l'autre. Merci. Allez. Allez, mon juju. Pour quand t'es dit tout le temps. Et juste ce qu'il fallait. Ouais, exactement, ouais. On est bien d'accord. Ouais. Juste ce qu'il fallait. Pour vous dire, ça n'a même pas agacé Philippe Quintet. Non, non. Qu'il a reconnu. Oui, mais parce qu'ils sont bien conscients qu'ils, non, ont, évidemment. Fait, qu'ils ont fait une erreur. Voilà, donc il faut, la prochaine fois, ce sera carton jaune. Bravo, juju. Hein. Bien joué. Bravo. Bien joué, Julien Lamour, pour l'instant. Dans ce terrain horrible à pointer, lui il s'écarte pas trop. Hein. Bien. C'est frappé. Allez, mon Damien. Il faut y aller. Super. C'est pas l'envie qui me manque. Hein. Allez, celle-là. Allez. Allez, mon canard. Sans doute. Ah ben voilà, Julien Lamour. Julien Lamour. Ah, s'il l'appelle mon canard. Il l'appelle mon canard. Normalement, derrière, ça devrait aller. Ça fait mouche. Oh. Oh. Ouf. Ouf. Elle s'est bien donnée, celle-ci. Elle n'est pas tirée encore. Elle compte, elle compte. Bon, j'ai essayé un truc, j'enlève la veste. Je sais pas, le pantalon peut-être aussi. Ouais. Ils vont partir. Ah, bien encore. Ah, si quitter la veste, ça va pas être la même. Hein. Par contre, ouais, il faut prier pour qu'il en ait. S'il continue à manquer, qu'il en quitte encore un peu chaque fois, on va être obligé de couper. Très bien. Stéphane Robineau qui n'a que faire effectivement des atermoiements en face. Ah bon, on rattrape. Regardez les stats, c'est parfait. Il est à son affaire, hein, Stéphane Robineau. Comme l'ensemble de son équipe d'ailleurs. Aïe. Ah, c'est droit, mais alors c'est court. Ah, il y a trop de déchets là. À part celle de Damien Hiro qui s'est bien donnée, il ne faut pas espérer que. Je suis court, mais moi je la rabote pas. Hein. Non, elles ne sont pas bien tirées, c'est normal. Allez, allez Philippe. Allez, celle-là. Ouais, ils sont un petit peu à la peine, l'équipe du Team Oléron, Pétanque Elite. Là. Il va falloir changer quelque chose parce que. Sinon, il n'y a pas droit. Oh, papi, il n'est pas droit. Là, il n'était pas droit. Il vient à peine la chiquer. Ouais, là, les stats au tir. Hein. Bah, mon pauvre Juju. Elle ne s'améliore pas. Elle va devenir là-dedans. Petit. Avec celle qui te reste, mets un peu partout. Allez, essaye de venir le plus près possible. La boule, on va essayer de faire quelque chose, je sais pas quoi. Mais... Allez-y. Ah, je vous mets jamais bien dans les mains aussi. Après, c'est compliqué. Obligé de faire des miracles pour espérer quelque chose.
Ça c'est bravo, bien. Ça, c'est bien bravo, j'ai vu. Ouais. Là, il a soulevé la foule, mais ils peuvent applaudir parce que c'est joué à la perfection. Ouais, on voit également hein, les stats de Julien. Pour l'instant, je suis bien droit après ça. Et tout de suite, au sein de sa partie, moi je prendrai la sienne, on sait pas. Si je rentre, déjà, heureusement, parce que ça pourrait faire beaucoup plus cher. Parce que tu peux être contre ça, il faut jouer quasiment les trois à la place. Ouais, c'est sûr que si tu rentres, tu tires plus facile, même si tu es posé deux, t'as le point. On sait pas, en rentrant, il peut peut-être décaler, on sait pas. Il pourrait penser aussi à faire tirer Henri Lacroix, parce que pour un droitier, quand même. Même moi, j'aurais fait tirer Henri. Ouais. Ah ben tiens, voilà, il y en a un qui y a pensé. Vous êtes raccord avec Stéphane Robineau. Oui, Robinet. Il est malin, Robinet. Et parce que quand même, pour un droitier, elle est quand même bien plus belle à tirer que pour un gaucher. Bien joué, hein. Bien joué. Allez, tu gênes de rien. Oui. Ouais, ça, c'est le genre de... Surtout quand on a un garçon comme Henri Lacroix dans son équipe. Hein. Allez, Dylan, allez, gêne de rien. Ça m'épate que... Même toi, t'aurais pu tirer toi, tire moins fort et droitier à passer. Bah oui, voilà, il a tout résumé. Ah ouais, à cela, il peut rentrer dans, la deux, dans les deux d'autres. Non, pas les deux, quand même. Ah, il est loin. Il m'amène à remonter. Aïe. Il est court, putain, ah, il a tout décalé, mais... Encore, ça va, on a toujours le point. C'est pas rien, ce qu'il a fait. Ça va, on a non, toujours mais... le point, mais non, même pas. Je suis court encore. Profite pas des mains. Hein? Profite pas des mains. Ah, il l'emplâtrer, ça va, pour faire deux ou trois. Ah, il faut dire que Julien Lamour, il avait mis où il fallait aussi. Oui, 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 là, effectivement. Parce que sinon, ça pouvait coûter plus cher, hein. Ça leur a permis de sauver cette mène. Bravo. Ah, que c'est bien fait. Bien joué. Que c'est bien fait encore. Ça fera deux donc si les comptes sont bons. Il y avait le point et ce point de cette boule de rajout parfaitement négociée par Henri Lacroix. Et donc, les tenants du titre atteignent la mi-partie et mènent pour l'instant sur le score sans appel de 7 à 0. Alors, 7 à 0, vous ne rêvez pas. On attendait un duel serré au couteau entre des équipes favorites, hein, tout simplement, pour ce 73e titre de championne de France. Ça aurait pu peut-être être le cas, mais pour ça, il aurait fallu que l'équipe d'Oléron-Pétanque-Élite, cher Michel Calvé, le président, marque la deuxième main. Oui. C'est vrai que ça aurait vraiment changé très certainement la physionomie de cette partie. Bravo. Après, à chaque fois, il s'ouvre quand même de très très belles mènes, hein, les Varois. Ouais, on court un petit peu derrière en face, hein, à chaque fois. Hein. Après, Stéphane Robineau, dans ce genre de terrain, ouais, hein, voilà, il pointe très bien dans tous les terrains. Mais... Allez, grand, tombe dessus. Mais même dans ces terrains difficiles, en règle générale, il pointe très très bien parce qu'il... Il envoie très bien les boules avec beaucoup de rotation. Et donc, il leur met la tête sous l'eau. Toutes les mêmes. Ah, bien. Allez, ce public. Philippe, qui était tireur, le retour. Oui, ce public de Strasbourg qui donne de la voix, effectivement. Philippe Quintet qui prend ses responsabilités. Ouais. Ah, bah, de toute façon, au bout d'un moment, il faut faire quelque chose, hein, parce que là, ils vont droit dans le mur. Quand on voit le mieux le mur, c'est pas la bonne. 275-5. Bon. 271-5. Deux points là-bas. Allez, ça tourne. Allez, stop. Du côté des joueurs de la Nouvelle-Aquitaine, est-ce que ça peut eh ben, plus que être 5, le frappe. Début, voilà, début d'une réaction. Bravo. Sauf que Stéphane Robineau continue son récital. Ah, ces deux boules
remarquablement bien joué. Il va falloir se doubler du côté de Philippe Quintet. Il faudrait même, pour bien faire, faire un petit palais ou un petit carreau, un petit palais serré parce que. Voilà, dans ce genre-là. C'est bien, c'est bien. Bravo, Philippe. Bien tiré. Bien, bien, bien. Super. Allez, voilà peut-être cette réaction que l'on attendait, que ce public de Strasbourg attendait. Plus que 4. Voilà. Il est parti se reposer. S'il retrouve un peu de cadence, Philippe Quintet, il est reposé, il est allé à la pêche le week-end dernier. Ah, donc ça, quand il va à la pêche, il se ressource. Ouais, belle reprise. Allez, c'est le moment. Seigneur Henri Lacroix. Oui, parce que vous parliez de se ressourcer. Hein. Quelle importance à ce moment précis, alors que nous sommes en fin de saison. Si on refait le. Il y a eu une petite période de pause là, sur la première quinzaine. Et encore, pour eux, non, hein, parce qu'ils ont écumé, les nationaux. Mais bon, il y a eu Limoux, Nevers, il y a CF France, le Final Four d'Istres. Bien, bien. Ouais, c'est bien, ça pour Damien Hero. Fider Ford Istres. Les Français de doublette à Quillan. Puis derrière, pour les sélectionner au championnat du monde, direction Canada. Waouh. Quel programme. Disons, du 15 août au 15 septembre, ouais, c'est costaud. Hein. Mais ce qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai l'impression qu'ils ne vont pas arriver au Canada. Dans les meilleures dispositions. Reposer, oui, on va dire ça. Mais bon. Bon, alors là, pour Damien Hero, c'était important d'y taper, évidemment. Surtout qu'il tire là, il a plus avec. Super. Le petit palais de Philippe Quintet. Maintenant, il a plus besoin d'essayer parce que c'est important de cadrer la première pour faire jouer. Mais là, maintenant, il suffit juste d'y frapper. C'est un tout petit peu plus, on va dire, dans la tête facile. Aïe. Alors, ça, il n'est pas heureux quand même, hein, parce que. Ah, il est court, tout pareil. Il est court. Allez, mon Juju. C'est quand même pas donné, celle-ci. Allez, celle-ci. Ouais. Allez, Juju. Allez, Julien. Alors, Julien Lamour qui a pointé à la perfection. Il va se retrouver à tirer. Bravo. Oh, il le fait remarquablement bien, décidément. Il va me mettre sur la chaise. Tirage. Oh, super. Allez. Je veux bien ta première si tu peux. Ça permet à son équipe de conserver un petit espoir de marquer. Parce qu'on ne sait jamais. Hein. Ah oui. Dans ces terrains-là, le palais de Philippe Quintet peut se perdre. D'autant plus que Dylan n'a pas eu à pointer jusqu'à présent. Ouais. Mais bon, voilà. Ben là, s'il veut conserver un espoir, il faut taper ça là. Allez, petit encore. Allez, c'est de la pousser encore. Allez, Ju. Pas loin. Bravo. Oh, superbe. Bravo. Superbe. Ça, c'est le top du top. Bon, ben Damien, bravo. Il va se retrouver pointeur dans pas longtemps. Ça continue. Bravo, Julien Lamour. Parce que sur la chaise, je suis pas sûr qu'il ait le droit d'y aller. Non. Ça nous fait. Et ça va. Ça va pas aider non plus ses partenaires. Là maintenant, il faut gagner celui-là, hein. C'est quand même pas le plus facile. Là. Pour poursuivre sa marche en avant, et voilà. Peut-être deux. Effectivement, bien vu, non. Validé par Henri Lacroix. Eh bien, il disait il y a de cela quelques secondes à peine, voilà. Julien Lamour. À Damien Hero, ça sert à rien. Bah si, voilà. Ah, le dernier, voilà la réponse. Dans les carreaux, il est quasiment gagnable. Après, il aurait pu couper le deuxième, Dylan Rocher. Bon, il... Et l'équipe de Philippe Quintet qui ouvre son compteur. Hein. Il était temps dans ce quart de finale. Et qui réduit un petit peu cet écart alors que la température monte là sur le carré d'honneur. Le soleil est de sortie. On en est ravis. Voilà, on va mettre les chapeaux. Et puis sur une belle main de 5 frappes quand même. Hein.
Allez, Juju. Allez, Juju. Allez, continue, va, essaye de faire tirer encore. Allez, petit. Ah, Roby. Super. Bravo. Joué, c'est encore. Ça monte haut avec beaucoup de, allez, Philippe, beaucoup encore de rotation. C'est le fait de monter haut comme ça qui permet de s'éviter comme ça que le. Ben, c'est-à-dire que plus on les envoie près du bouchon, moins elles ont de chemin à parcourir. Donc forcément, c'est, quand on sait le faire, c'est plus facile. Et puis quand elles tombent un peu plus haut, si elles ont un peu plus tendance à écraser la. Les cailloux, donc il y a un risque qu'elles aillent un petit peu moins loin. Enfin, il y a une chance plutôt. Après, c'est pas facile à. C'est pas toujours facile à faire, surtout régulièrement. Après, ça évite pas les mauvaises frappes. Hein. La première, ouais. La première de Julien Lamour, on a vu qu'elle avait explosé. Mais bon, pas si moins que ça, elle est à un mètre. Bien joué. Oh. Oh. Super. Un petit peu plus long que la première, yes, mais elle a gagné. Ah, c'est du chemin. Allez, t'as un peu de place encore. Ah, Julien. Tu vois, moi, je pensais avant le caillou, oui, là-bas. Je vois aussi. Ça oui, ça paraît. Un point. L'avantage est toujours c'est au pas assez plat, puis pas trop de gros caisses. Ouais, ouais, ouais. Je pense que là. Waouh, j'ai bien, 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 bravo. C'est bien. Super. Bien, bien, bravo. Belle reprise là, effectuée par Julien Lamour. Ah, ça fait 15 ans après. Hein. Son titre de champion de France, ça, c'était de 2003. Et oui. Bravo. Puis la bravo réponse immédiate. Super, Dylan. Lui, c'est un peu plus récent. Ouais, il faut des derniers titres. C'est que maintenant, pour gagner celui-là, c'est dur. Ouais. Bravo. Bah, elle est forte. Il y en a 3. 3 à 3. Je pointerai, moi. C'est mieux ouais que je vois, que je joue ma première. Ouais, on voit ce que première, ça donne. On sait jamais. On sait pas, elles sont derrière. Ah, oui. Allez, mon Damien. Damien. Tu rentres, tu peux tirer. C'est partir un peu avant là, ici tu disais. Oui, j'étais là, mais après je sais pas, mais. Allez. Allez, Damien. Bravo. Voilà. Bien, Damien, bravo. Super. Allez, Didier, encore. Allez. Bien, bien, bien. Allez, bonne manière de rentrer, voire peut-être allez, de rentrer tout court dans ce quart de finale pour Damien Huro. Ouais, d'autant plus que derrière. Pas d'effort, rien. Dylan Rocher manque. Et après ça peut, ça peut les empêcher allez, de faire une grosse semaine, mais pas hein. Si Henri Lacroix tire bien, ils peuvent toujours espérer marquer parce que le premier carreau. Ouais. Allez Henri. Dylan Rocher, je suis pas sûr qu'il se gagne à tous les coups quand même. Ouais, un peu court Henri Lacroix. Pour Henri Lacroix. Il vient à manquer à son tour. En cours d'une heure. Ça, c'est des belles manières.
regarder. On regarde. Il est là, non? Ouais, c'est pas sûr, je crois qu'il est chez nous. Mais bon. S'il vous plaît. Oh, cette boule-là et cette boule-là. Ouais, bien cool. Nul, hein. Avec monsieur Berti et Gino Catelli, les deux arbitres de cette rencontre. Tu me dis. 301-5. Ici. Non, pas 3. Non, pas 301. 286-5. Retourne voir là-bas. Ouais, mais c'est ça. Hein. Il est là. Ouais, il est là. Là, oui. Il y a gros. Hein. Il y a 300 mecs. Ouais, hein. 301-5. C'est bon, tu veux rien. Allez, 30 centimes. C'est bien, tu casses de l'autre déjà. Faut que tu tapes deux pour la marque. Allez, Riton. À 3 mètres, pas non plus. Mmh. Je comprends qu'on puisse avoir un doute quand même. Tu peux avoir deux boules à zéro peut-être. Deux boules de marque. Tu n'as rien gagné, dès que tu fais carreau, c'était beau. Bien. Alors il a contré, mais ouais. Il a fait un petit carreau quand même. Bien, bravo. Mais les bleus d'Oléron en tapant deux fois. Je tire à la plus près. En tapant deux fois, je pense qu'ils ont. C'est l'enfant c'est deux. Allez, Fifi. Allez, attrape encore. Allez, Philippe. On analyse désormais Titan dans ce quart de finale face à la Nouvelle-Calédonie. Il faudrait une réussite pour ceux-là qu'ils n'ont pas jusqu'à présent. Tout de même. Là, c'est pas tellement une question de réussite, Guillaume. Là, c'est juste qu'il faut bien tirer. Oui, oui. Il faut en taper deux, voilà. Il faut être un peu plus en réussite que jusqu'à présent. Oui. Aïe. Voilà. Alors là, maintenant... Ah, malheureusement, ce sont les standards ouais, dont ils nous... Ouais, mon Damien, gagne-le en France. Donc, Amiro refasse un exploit de gagner ce carreau de Dylan Rocher. Alors, mon Damien, il faut faire un gros effort. Allez. Fait pas le moindre effort. Dès qu'on a une petite ouverture... Ouais, ça ne pas. D'accord. Dès qu'il tape, on tire au point. Allez, Damien. C'est pas possible. Alors, ils ont défendu. Peut-être même pas deux, alors. Parce qu'ils ont tiré au point, mais... Pourtant, de là, j'ai quand même bien l'impression qu'il y en avait deux en tapant, moi. Bravo, super. Bien joué. Gagné. Bravo, Damien. Bien. Ça va, ça va, bien. C'est bravo. Important. Ouais, important, effectivement. Cette dernière reprise de Damien Hureau, la pression était quand même maximale sur les épaules. Et il vient obtenir ce point de haute lutte. Il n'y a aucun point cadeau hein, pour les hommes de Nouvelle-Aquitaine qui réduisent encore un petit peu plus l'écart et qui ne sont plus menés que 7 points à 3. Allez mon Juju. Eh ben Juju. Allez petit. Allez continue. Allez Juju. Allez, nous entamions à la sixième main. Ici dans ce magnifique cadre Jardin des Deux Rives à Strasbourg. Bouchon super, à 1m50 et bien, Julien Lamour qui continue de bien ouvrir ses mains. Bien. Ouais. Ah, c'est sûr que s'il pouvait être suivi derrière au tir, ce serait parfait. D'autant plus que comment dit, ça bricole un peu en face quand même. Ah, ça, oui, ça profite pas des. Pourtant, il avait pris un départ sur les chapeaux de roue oui. Et puis il se met à bricoler un petit peu. Alors bon, c'est vrai que quand t'as ces deux équipes, oula, je le voyais court. Plus que ça même. Quand ces deux équipes se rencontrent, il peut y avoir des fois un peu de. C'est mais bien qu'ils jouent régulièrement les uns avec les autres. Il peut y avoir un petit peu de tension. À l'image de cet homme, hein, Julien Lamour. Son titre de champion du monde. Chez lui, ça se voit pas trop pour l'instant. Ouais. Bravo ouais. Julien. Super, hein. Donc, c'est dans le fait que les uns et les autres jouent ensemble, puisque Henri Lacroix faisait partie des quatre champions du monde 2005.
avec Suchou et Cortés. Bravo. Ah, ça c'est du boulot. La réponse justement du recordman de titre. Bon effort. Ça là, on l'a vu monter. Allez, fais-moi de la place. C'est dommage. Ouais. Plus de marge avec l'autre quand même. Putain. Bien fait. Oui, la réponse. Bien tiré. Il y avait le bouchon devant qui pouvait un petit peu les sauver. Ça n'est pas gêné. Voilà, et donc c'est une première main annulée dans ce quart de finale. La réponse immédiate, effectivement, avec Philippe Suchou qui vient pincer ce, ce bouchon. On en reste donc à 7 points à 4. Pour égaliser à 7 partout face au nord de Christophe Thomas, Cédric Balibas. Allez, Jus. Allez, continue sur la lancée. Alors qu'on pourrait bien retrouver au moins une équipe du Nord en demi-finale, parce qu'il y en a deux qui sont en quart, et il y en a une qui est en train de laminer la, la Nouvelle-Calédonie qui mène 10 à 0. Parce que même si je frappe, bah c'est ça, même si je frappe sans cadrer, on n'a pas d'avantage. Il faut vraiment que je fasse carreau pour récupérer le truc. Ça va, Jules. Bien. Ça a la tournée, mais il n'est pas mauvais. Voilà, Sébastien Lebrun, David Demestre et Moïse Chanotz. Mène 10-0 effectivement sur. Et qui sont même sur une main de gagne, me semble-t-il. Allez, continue. Et messieurs, puisqu'on fait le point sur les autres quarts de finale, si vous voulez, je vais vous donner les renseignements. Sur l'autre équipe du Nord, justement, qui joue face à la Bourgogne-Franche-Comté. 7 partout. Voilà. Christophe Thomas, Kevin Carlier, Cédric Baldassar face à l'équipe de Lyon du Stade Auxerrois, Christophe Délis, Ludovic Corny et Jérôme Richard. Et puis dans l'autre partie de quart de finale, avantage à la formation de Charente-Maritime. Jérémy Darod, Christophe Sévilla et Richard Feltin qui mènent face au Rhône d'Alexandre Mallet, Daniel Rizzo et Guillaume Gessat sur le score de 5 à 2. Et merci pour ce point complet. Et l'autre quart de finale est terminé, mon cher Laurent. Ah oui, première équipe qualifiée pour les demi, donc elle nous vient du département du Nord. Oula, Dylan, pas droit du tout. Et puis nous connaissons la première équipe qualifiée pour le dernier carré. On peut jouer aussi avec la boule. Vous allez saluer la formation du Nord. Sébastien Lebrun, David Demestre, Louise Chinox, le Nord. On passe la barre rouge tout de suite. Non, mais bon. Et bien évidemment, réservé également pour la formation de Nouvelle-Calédonie, quart de finaliste. Allez, chef. Mathieu Spinoz, Plua, Poetawa et Sandy Pabarono, la Nouvelle-Calédonie. Je peux mettre une droite. Pose-les comme tu les faisais jusqu'à maintenant. Je force à poser. Alors, on va accueillir le délégué du Nord pour le tirage au sort, donc, des demi-finales. Bien. Bien joué. Ouais, exactement. Ah, j'ai qu'à le gagner. Oh, c'est pas top, hein. Je fais un beau témoin. Alors là, ce serait peut-être bien le moment d'enfoncer un peu le clou pour Philippe Quintet. Ils sont bien placés sur cette main. Allez, c'est parfait. Anti-bruit. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'impact. En tout cas, on l'a pas entendu ce qu'il dit. Damien Hureau, là, anti-bruit. Anti-bruit. Oh, moi, je sais. Je la connais, cette expression. C'est la main d'avant, là. Ça te tape la tienne. Ils n'ont jamais le gagné. Et... Tu peux faire belle main. Ça, tu n'as pas marqué. Bien joué, Henri Lacroix, qui joue quand même un tout petit peu en face de la sienne. Ben, pour essayer d'en faire deux, tout en jouant le point. Alexandre Vallée, Daniel Rizzo, Guillaume Gessat vont inscrire un point. Ce sont toujours Jérémy Darod, Christophe Sévilla et Richard Feltin. La Charente Maritime qui mène au score dans ce quart de finale, désormais 5-3. Ah, il faut bien tirer ça là pour Philippe Quintet. Ils ont une possibilité de revenir un petit peu au score. Voilà. Ouais, c'est bien, il s'est doublé, Philippe. Il a cadré deux fois.
Arrêtons. Voilà, Fifi. Pourtant, il était bien en face à la sienne, mais elle est partie. Elle était mieux jouée que la première. Complètement de travers, il a même pas gagné le point. Allez, ben joue bien, sans trop la jouer, hein. Tu rentres, c'est bien. Allez. Elle était mieux jouée que la première, ça va. Elle est basse. Hein ? Pour moi, elle est basse. Ta boule ? Ouais. Ouais, je suis un peu. Regarde où elle est allée, la mienne. Ouais, mais elle est un peu basse, quand même. Je trouve, hein. Ah, c'est pas mal joué, mais il est court. Donc je pense on lâche plus une des mains. Il a laissé le point. Il est avec on. Et là, on va avoir trois boules pour ajouter du côté de la formation en bleu. Passe au bouchon, hein, parce qu'il y a les deux miennes derrière. T'as le bonheur de lui mettre un petit coup de tête. La nouvelle Aquitaine. Je vous voyais un petit peu plus loin. Ouais, autour des boules. Ouais, c'est ça. Allez, mon Juju. Allez, Juju. Jamais, allez, allez. Je joue bien la tienne encore. Allez, Jus. Belle occasion de recoller. Allez. Un petit coup de tête, là, il fait trop fait 20 centimètres. 20, c'est ça ? Ah bah 20, ça suffit, ouais. Si, des fois, il faisait faire un tout petit tour au bouchon, il pourrait faire comme ça. Bravo, Jus. Ah ouais, ouais, bien joué encore. Bravo, super. Et maintenant, par contre, pour faire rouler le bouchon, ça va être plus compliqué. Allez, Damien. Ouais, du coup, on ne peut plus le jouer, ouais. Ah ouais, tu étais bien droit et c'est planté. Ah mon Damien, c'est bien les mecs. Allez, un de plus Damien, c'est quand même, mais allez. On verrait pas jusque là. Allez. Prendre de la marge, surtout pour pas rentrer les boules de devant. S'il joue pas à hauteur des boules, faut pas prendre de risque là. Bien, bien bravo. Joué. Bien. Allez, encore si tu peux. Allez, petit père. Allez, Damien, encore celui-là si tu peux. Boule d'égalisation. Exactement. Bravo, super. Hey. Bien, 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 bravo. C'est deux boules parfaitement négociées. Par Damien Hureau, Ben Lourdes, voilà. Égalité parfaite. Exactement. Retour aux affaires des hommes de Nouvelle-Aquitaine. Égalité à 7 partout. Allez, ce quart de finale est enfin lancé. Le bouchon ne sera pas bon. On le rend directement du côté de Julien Lamour à Henri Lacroix, bien sûr. Mais où ? Après avoir marqué le cercle, on va le déposer. Là ? Ça y est, la règle est bien. Bien rentrée en vigueur. On a l'habitude désormais de voir cela. La première, on continue à jouer normal. Il est à frapper, ben on continue à tirer. Ça sert à rien, bon. On fait un carreau, il sert à rien. Tu me rappelles que la première demi-finale ouverte. Ben, il a manqué derrière, il a gagné le point qui était beau. La deuxième demi-finale ouverte. Donc, en suivant, c'est pour ça que nous tirons au sort dès la fin des quarts de finale. Rose. Julien Lamour, showtime. Ah ouais. Il est parfait depuis le début de cette rencontre, franchement. Bravo. Allez, le retour derrière de Dylan Rocher. Ultra Bravo. Important au moment où son équipe est peut-être pas en train de prendre l'eau, c'est peut-être exagéré, allez, mais continue. Enfin. Et en plus plein, en difficulté. En plein doute, oui, quand ouais, même. Oui. Quand même, hein. Voilà. Aïe, un peu court. Ah,
Ça voulait un peu de place derrière. Ah, je suis un poil court. Hein. Un petit peu, ouais, t'es bien droit. Hein. Je suis court. Merci. Allez, jus. C'est pas possible. Tout petit peu. Poil court, c'est bon. On est là. Ouais. Alors, la deuxième. La deuxième de Lilian Brochet va être ultra. Allez, jus. Allez, encore celle-là. Importante. Parce qu'évidemment que. On ne peut pas penser une seconde que Julien Lamour perde ce point, vu comme il joue. Ah ouais, compte tenu du niveau à l'heure actuelle, ouais. Bravo, Julien. Bien, voilà. Julien. Il ne va pas vous faire mentir. Là, voilà, la boule importante, c'est celle qui arrive. Si Dylan tire bien celle-là, il va y avoir un gros, gros grattage de tête chez les Bleus. Bravo. Oh, c'est fou. Bien tiré, le retour du Jedi au bon moment. Bien. Alors, le voilà le grattage de. Alors, on lui a celle-là, mon Fifi. Ah oui, c'est pareil. Tu lui rends celle-là, c'est bien encore. Hein. Ouais, mon Fifi. Ouais, mon Fifi. Allez, rentre dedans, celle-là. Allez, Philippe. Ouais. Allez, grand. Là, il faut sortir le coup magique, hein. Il faut rendre le carreau. Hein ? Parce que sinon, j'ai peur que Damien Rowe se retrouve à tirer au but. Celle-là aussi est ultra importante. Aïe, 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 aïe. Et voilà le boulot. Il aurait presque pu embarquer le. Voilà le boulot. Le bouchon, justement. Ouais. Il était plus. Plus sur le bouchon que sur la boule. Là, il en a une pour tomber sur le but, et s'il ne tombe pas sur le but, il en aura une après pour faire un carreau à la boule. Tiens, c'est pour le bouchon ou la boule ? Sur la boule ou au bouchon ? Incroyable. C'est pour ça que je voulais. Ce changement de physionomie. T'hésitais déjà ? Non, j'avais pas envie de tirer au bouchon, j'avais envie de faire tirer Damien. Mais. Ah oui, à la boule ? Quand il vient tirer à la boule, c'était pas grave. C'était pas débile. Non, je sais bien, mais bon. Moi, honnêtement, tu sais quoi, je tire au bouchon la première. Parce que là, de toute façon, même si tu tires bien, on va en perdre 4 ou 5. Ça va faire 7 à 11 ou 7 à 12. Non, mais je suis d'accord. Allez, mon petit Damien. Allez, tire bien, Damien. Pour éviter de perdre. Allez, fais un effort. Moi, je laisse passer, il reste 10 secondes. Oui, oui. Allez. C'est l'heure de prendre un jaune, alors. Il reste 10 secondes. On va prendre le carton jaune. Allez, pour l'autre jaune, on attendra encore un peu quand même. Dit. Bien sûr. Voilà. Évidemment, pas de discussion. Allez, mon Damien. Du côté des joueurs, puisqu'ils s'en sont bien conscients. Ouais, c'était volontaire, encore une fois. Et on redéclenche donc la minute, bien sûr. Héro, il a la possibilité de rattraper son mauvais départ de partie sur cette boule-là. Allez. Oh, aïe, je le voyais partir. Et là, bouger. Je le voyais partir, ce bouchon. Ah, sur ce ralenti. Oh là 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 là, sur ce ralenti. Mais maintenant, il faut tomber. C'est bien tirer à la boule, Damien. C'est ça. Allez, c'est le nouveau. Allez, petit personne. Allez, tire bien celle-là. L'importance, quand même, allez, Damien. C'est extraordinaire l'importance de cette nouvelle règle. Là. Tu n'as qu'à le dire aussi. On, on jette mal le bouchon, l'adversaire le pose à la main, à 6 mètres et quelques. Et ça part de là. Et patatrac. Bien. Oh là là. Il avait bien tiré, en plus, il est malheureux. Ouais. Comme ça, c'est fait. Celle-là qui était bien tirée. Ça, alors, attention, ça allait peut-être pas lui éviter de perdre, mais bon. Mais là j'ai peur que. Donc là, il y a les deux points, il y a des points par terre. Hein. Deux points par terre, quatre boules en main. Quatre boules en main, voilà. Après, elle est à 1 mètre. À la louche, 1 mètre 30. À gauche, hein. On n'est pas gêné du tout. Ils étaient bien, bien revenus, malgré un départ de partie poussif. Et puis là, voilà. Le bouchon mal jeté, Henri Lacroix qui le pose à 6 mètres, Dylan qui fait deux carreaux. Ouais, les tenants du titre, ils semblent bien partis pour continuer l'aventure et se qualifier
en demi-finale. Ah là, oui, à moins d'un accident, oui. Hein, je vois oui. pas comment. Ce qui est possible, hein, parce qu'on a vu ce terrain. Ah, quand sur même. Ce terrain, tout est possible, voilà, mais est là. Possible. Là, quand même. Arrêtons encore. Eh ben, plus qu'un. Voilà. Allez. Et cette dernière, ah, ce dernier point, cette dernière boule, elle est dans les mains d'Henri Lacroix, qui donc lui est en lice pour un 18e titre. 18e maillot tricolore. Ça doit en faire une petite collection quand même. Hein. Ouais, c'est vrai que il y a de quoi décorer un pan ou deux de mur. C'est ça. Bravo. Et voilà. Ouais, eh bien on est on reste presque sur notre fin pour le coup Jean-Luc la main précédente on se dit quasiment que cette partie est enfin lancée avec cette équipe de Nouvelle-Aquitaine, les hommes de Philippe Quintet qui reviennent au contact et puis bam, alors là la main de 6 pour sceller l'issue de cette c'est rencontre. C'est ça, deux carreaux de Dylan Rocher et on sait très bien que dans cette équipe, dès que Dylan Rocher tire bien, ils sont très très difficiles à manœuvrer. Voilà. Allez. C'est ça. Ça laisse un peu ça nous laisse un peu sur notre fin. Ouais, beaucoup de respect, hein, en tout cas, entre tous les joueurs, évidemment, hein, habitués à jouer les uns contre les autres, les uns avec les autres. Et on va bien retrouver d'ici une poignée de secondes réaction des champions de France en titre qui continuent donc leur parcours. On va les retrouver aux côtés de Laurent Causse, j'imagine tout sourire. Ils ont peut-être cru l'espace d'un moment que ça allait se tendre. Et puis derrière, la main de 6 qui les envoie en demi. Tiens, avec Dylan Rocher, un bon début de partie Dylan, où on a l'impression que vous allez faire cavalier seul. Oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas bien démarré, nous on a bien démarré, puis au milieu de partie ça a été le sens contraire, ils ont mieux joué et moi j'ai moins bien tiré. Et du coup, de faire cette belle main de 6 points, ça nous fait du bien quoi. Oui, effectivement. Henri, vous n'avez pas eu un petit peu de doute par rapport à ces adversaires-là, on l'a tout le temps, hein. On le sait qu'ils sont capables de tout, on sait que c'est des maîtres de la pétanque aussi, mais comme il dit Dylan, c'est vrai qu'on a bien démarré, mais on aurait pu être un peu mieux. Avoir un peu plus d'avance pour y vivre au-dessus, mais c'est la pétanque, c'est la loi du sport, c'est comme ça. Et Stéphane, parle-nous un petit peu de ces terrains, parce que visiblement, ils te conviennent bien. Hein. Tu as très très bien pointé, tu as été un métronome à la pointe. Ouais, j'espère que ça va durer parce que c'était un très très difficile. On ne boule non plus, on a le bonheur de bien les jouer, mais après il y a un petit peu de réussite aussi qui rentre en ligne de mire. Donc voilà, je vais essayer de continuer et j'espère que le terrain va me sourire. Oui, parce qu'ils sont sélectifs ces terrains. Ouais, très sélectifs, très durs. Bon voilà, donc je continue sur la même lancée et qu'on arrive à tirer aussi bien qu'on l'a fait. Merci à tous les trois. Voilà Guillaume et Jean-Luc, donc les champions de France en course pour un doublé. Ouais, ils continuent effectivement leur parcours et donc cette finale avant l'heure, on a annoncé cette finale avant l'heure. Ça a accouché d'une souris ou pas tant que ça? Non, ils étaient bien revenus. Voilà, 7 partout. Après, voilà, je vous dis, c'est ça. Ce qui me gêne un peu, c'est ce nouveau règlement qui fait que voilà, ça tourne sur une main où Dylan tire bien 6,50 m, Philippe Quintet rend pas le premier carreau, et puis après ils en prennent un autre, et puis après voilà, c'est là, on est obligé de tirer au bouchon, voilà, c'est comment faire, c'est la nouvelle, on va appeler ça la nouvelle pétanque, mais bon, c'est pas ce que je préfère dans ce sport. Allez, en tout cas, les champions de France en titre qui continuent leur parcours, on les retrouvera donc très rapidement sur la chaîne équipe pour leur demi-finale. À suivre donc très très prochainement et d'ici là, très bonne pétanque à toutes et à tous. Bye bye. Who got the hay, who got the way? Get at the way you are. Know how to be.
Ah oui.